Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous de nouveau dans votre matinale. Bonjour d'Algérie. C'est peut-être le dernier jour du mois sacré de Ramadan, ou peut-être que non. Enfin, Inch'Allah, peut-être que non, j'espère. J'espère que ce sera encore demain, parce qu'on ne veut pas que ce mois sacré, aussi sacré, se termine, surtout avec toute la bonté qu'il ramène avec lui, une ambiance assez particulière. C'est vraiment particulier le mois de Ramadan, et à chaque fois que ça se termine, on sent une certaine nostalgie, une certaine... Enfin bref, j'espère qu'on continuera à son amour, Inch'Allah, et que l'Aïd, ce sera mercredi. En tout cas, on en saura plus ce soir, puisque vous pourrez suivre d'ailleurs en direct sur toutes les chaînes de télévision algériennes, bien sûr, le discours des hommes du culte musulman. Et bien sûr, ils vous diront tout sur le mois sacré de Ramadan. Déjà, hein, ils feront un discours sur ça, et puis sur l'Aïd, l'Aïd Sahir. Alors ce matin, on parle de soufisme. On continue finalement. J'avais dit au revoir la semaine dernière à Monsieur Adbi, et finalement, il est de retour, oui, parce que je pensais que c'était l'Youm l'Aïd. Donc voilà, je m'en excuse. Et c'est un plaisir de le retrouver encore une fois pour clore ce chapitre du soufisme, puisqu'il nous en a parlé tout au long de ce mois de Ramadan, et on a appris beaucoup de choses. La chose peut-être la plus importante à retenir, c'est que le soufisme est en rapport direct avec notre religion, l'islam, et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous nous intéresserons également à la rubrique accessibilité et autonomie avec Mustapha Boufillah, qui aujourd'hui parle donc de l'été, qui est un point positif et négatif pour tout type d'handicap. Pourquoi? Eh bien, telle est la question qui est posée. La réponse vous sera donnée tout à l'heure avec Mustapha Boufillah. On s'intéressera également au ministère de la Santé avec cette campagne de sensibilisation pour visiter les centres de santé de proximité. Et oui, c'est nouveau. Et puis, c'est intéressant, pourquoi pas. Et vous pouvez le faire. On en saura un petit peu plus avec un invité tout à l'heure qui sera avec nous, représentant du ministère de la Santé. Naftal également. On en parlera aujourd'hui avec le PDG de Naftal pour revenir sur cette 7e édition des portes ouvertes sur Naftal et cette communication, encore une fois, de proximité. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce matin, par exemple, avec une file mais incroyable dans toutes les stations d'essence, eh bien, de pompe à essence, eh bien, on ne comprend pas pourquoi, puisque chaque année, c'est la même chose. Et finalement, Flaïd, les stations sont ouvertes. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens se bousculent. Peut-être que certains vont partir en vacances, vont partir le bled dans leur, chez leur famille. C'est pour ça qu'ils font cette chaîne. Mais ne paniquez pas, ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde, et c'est ce que nous dira tout à l'heure notre invité. Et puis on s'intéressera également à cette foire qui va se dérouler donc à Annaba du 14 au 20 juillet prochain, et justement avec nous tout à l'heure les organisateurs. Accompagnés de tout cela, des reportages qu'on vous propose jusqu'à 10h30, c'est le programme qui vous attend sur Canal Algérie. Encore une fois, bienvenue à vous. Tout de suite la météo, le premier point de la journée, il est signé par Amel Haribi. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Amel Haribi, bonjour. Oui, si on peut dire les choses ainsi. Alors, on ne comprend pas. Hier, il a fait un vent, en plus oui, de l'humidité, il faisait frais. Et ce matin aussi, hein, encore. Non, aujourd'hui, ça va se calmer. Ah bon? Ah oui, oui. Ah, d'accord. Allez-y, quel détail? Allons-y. Alors, bon réveil. Pour aujourd'hui, eh bien, le ciel se montrera plutôt dégagé, à partiellement voilé, sur pratiquement l'ensemble des régions côtières, avec toutefois des nuages, des orages qui vont se former sur les hauts plateaux, les régions intérieures, ainsi que les Aurès, qui peuvent déborder localement en fin de journée, soirée, près des côtes centres et en cours de nuit sur les côtes est. La moitié sud, toujours voilée du côté de la Saoura, le sud-ouest, également Borj Bedjou Mokhtar et le Hegar. Ailleurs, le soleil s'en donnera à cœur joie, avec toutefois des soulèvements au Nord-Sahara, les oasis, le Sahara central et le Sahara oriental.
Les températures, quant à elles, plutôt caniculaires au sud, avec un maximum de 49 degrés du côté d'Adrar, 48 Insala, 42 degrés à Ilizi, 44 Biskra, Hassim Saoud, Ouangla, 43 du côté de Béchar, 40 à Tindouf, 38 degrés Tamanrasset, Janet. Au nord, le maximum, ce sera le 40 degrés à Constantine, Galma et Msila, 39 Tizi Ouzou, 38 degrés du côté de Tlemcen, 32 Oran et Mascarak, 34 Alger, 36 degrés du côté de Batna, Djelfa, Al-Beyod et enfin 41 degrés vers Msila. On va voir toujours maintenant le continent européen où le ciel se montrera tantôt nuageux et tantôt ensoleillé du côté de Berlin, Prague, Varsovie, également Paris, Londres. De la pluie malheureusement à Dublin, Helsinki, Copenhague, Bucarest. Le soleil resplendira vers Lisbonne, Marseille, Rome ainsi qu'à Athènes. Côté température, eh bien, on relèvera 18 degrés à Dublin, 19 à Helsinki, 23 degrés à Paris, 29 à Marseille, 25 à Berne, 28 degrés à Budapest, 29 à Bucarest, 33 à Rome, 35 degrés à Madrid et le maximum cette fois-ci à Athènes avec 36 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Merci Amel. Prochain rendez-vous donc avec la météo juste après le journal de midi. Allez, bien bonjour à vous. Merci de nous rejoindre sur Canal Algérie. C'est peut-être la dernière matinale du mois de Ramadan, peut-être pas. On verra. En tout cas, ce soir, on en saura un petit peu plus. Et nous, on va continuer avec Monsieur Mohamed Atbi qui est encore avec nous. Monsieur Mohamed Atbi qui est donc auteur soufi et qui nous fait à chaque fois partager son expérience dans le domaine du soufisme. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va, merci. Alhamdoulilah, c'est encore une fois un plaisir de vous retrouver, monsieur Atbi. Je pensais qu'on en avait fini la semaine dernière, mais bon, heureusement, je me suis trompée. Et donc, on va continuer à parler de soufisme. Vous nous avez donné beaucoup d'informations. Hein. Et aujourd'hui, il sera question donc de Ahl Sofa et surtout de ces riwayat dont vous allez nous parler, des riwayat qui ont un lien direct avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Je voulais, donc, dans la continuation de la. J'ai donné des preuves donc du Coran et puis la dernière fois aussi je suis passé furtivement sur certaines riwayats du prophète qui parlent de certaines notions qui ne sont accessibles qu'à travers le soufisme, ce qu'on connaît maintenant comme le soufisme. Ensuite, je voudrais parler du fait que le prophète, ce soit lui le fondateur du soufisme. C'est-à-dire dans la Oumma, dans la nation, dans la société, il y a une partie qui est plus versée vers un attachement amoureux de Dieu et un attachement complet envers Dieu. L'exemple, c'est ce qu'on connaît comme Ahl Sofa. Ahl Sofa, si vous vous rappelez, le premier jour, j'ai apporté des livres. Oui. C'est des premiers traités du soufisme, mais parmi lesquels le premier tome d'un grand traité qui parle des différentes générations du soufi, à partir de la génération première et initiatrice des Sahaba, jusqu'à l'époque de l'auteur Abu Naïm al-Asfahani. Et donc l'auteur, dans son premier tome, en parlant des premiers grands sahaba, etc., hop, il ouvre un chapitre sur Ahl Sofa. Sofa, c'est un endroit à côté de la mosquée du prophète, qu'on connaît, hein, et qui était adossé à cette mosquée, et collé à elle. C'est le prophète qui l'a installé, une partie de ses compagnons, parmi lesquels Bilal ibn Rabah, Ammar ibn Yasser, Sohaib Rumi, Khabbab ibn al-Arad, Salman al-Farisi. Ça, c'est des noms très très illustres dans leur profondeur et dans leur taqwa et dans leur. Et donc, c'est Ahl Sofa. Le prophète avait l'habitude d'aller chez eux et de rester, faire des séances de dhikr avec eux. Et le Coran, en confirmant cela, il lui a dit, fais acte de patience avec ceux parmi les croyants qui prient leur Dieu matin
au pluriel et soir au pluriel en visant son agrément ou son visage. Donc je vais vous lire en arabe, c'est plus expressif. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Il y a plusieurs enseignements dans ce verset de la sourate Al-Kahf, parmi lesquels le fait que Dieu ici a parlé au prophète, mais en fait il nous parlait à nous, à toute la Ummah, parce que dans l'usage du Coran, il arrive que Dieu parle au prophète en tant que prophète, il arrive aussi à Dieu de parler au prophète en tant que sa nation. C'est dire notre attachement au prophète. Et parce que le prophète faisait ça sans que Dieu sans qu'il ait un ordre de Dieu, il le faisait. Donc avec ces sahaba, parmi lesquels la plupart étaient pauvres, étaient démunis, mais il y en avait qui étaient la besbium, qui avaient du travail, etc. Parce que Abu Naïm al-Asfahan est dans ce traité qui s'appelle Hilyat al-Awliya, le manteau des saints, il consacre beaucoup à cette catégorie qui s'appelle Al-Sufa, les gens de la Sufa. Et là j'ai sélectionné deux riwayats parce que Asfahani, il cite les riwayats avec leur chaîne de transmission. C'est pas quelqu'un qui nous jette comme ça. Il dit, par exemple, que le prophète, il arrivait que le prophète, quand il faisait la prière, il dirigeait la prière, que parmi les gens qui priaient avec lui, tombaient tout leur corps pendant la prière. Et parmi les Arabes, les Bédouins, etc., il y en a qui disaient « Haoula et Majanin », c'est des fous. Alors que eux, ce n'était pas volontaire. C'est tellement ils étaient dans cette salette, etc. Est-ce que c'est en rapport avec le khushu? Oui, c'est en rapport avec le khushu. Il arrivait même que des gens mouraient de khushu. Un autre hadith qui est cité dans la section consacrée à Al-Sufa, où le prophète passait, il avait Salman al-Farisi avec des autres sahaba qui faisaient du dhikr. Le prophète leur a dit, qu'est-ce que vous faisiez? Ma kuntum tuqawqilun. Le prophète, nous étions en train de citer le nom de Dieu. Alors il leur a dit, قولوا ديت يعني قولوا فإني رأيت الرحمة تنزل عليكم فأحببت أن أشارككم فيها. Je voyais la miséricorde divine descendre sur vous. Voilà. On a parlé la dernière fois de la vision du malakout, etc. Bien sûr, le prophète, il voit le malakout, il voit le malakout des choses. Donc ces sahaba sont les premiers soufis, en fin de compte. Et dans le soufisme, le soufisme des maîtres, c'est-à-dire on peut, en tant qu'adepte, en tant qu'élève, se tromper ou avoir des actes, des mauvais actes, etc. Parce que le soufi ou le soufisant, il est à l'école, il n'est pas accompli. Mais le soufisme, c'est ça, c'est ce genre de sahaba, c'est le genre de tabi'in, etc. Jusqu'à nos maîtres, ceux qui sont accomplis, ils représentent. Parce que souvent, on essaie de décrire parce qu'on trouve qu'un soufi, il a la table, etc. Et bien le soufi, c'est un être humain, c'est un daif, etc. Il n'y était, c'est sa niya, c'est sa volonté de chercher l'accomplissement, pas pour être meilleur, c'est pour se rapprocher de Dieu, c'est pas pour se comparer aux autres musulmans. S'il y a cette chose dans son cœur, jamais il n'arrivera à quelque chose, quoi que ce soit. D'accord. J'aimerais juste, parce que vous parlez des maîtres, alors on sait que les maîtres dans le soufisme, ça reste les maîtres. Ouais. Et aujourd'hui, si vous comparez les maîtres avec les soufis d'aujourd'hui, est-ce que c'est la même chose?
Non, là, par exemple, il arrivait que le prophète reproche à un sahabi quelque chose. Parce que lui, il était l'élève et le prophète, le sahabi se corrigeait. Vous voyez, et c'est comme ça. Surtout, bon, pour ce qui est de la charia, c'est-à-dire de ce qu'on appelle l'aide, etc., tous les musulmans sont kif-kif, c'est-à-dire ils font ce que Dieu a recommandé, ils omettent de faire, sauf de faire quelque chose que Dieu a interdit. Mais il y a cette volonté intérieure et cet accomplissement intérieur, parce que les actes de piété qui viennent du cœur, ce sont les plus difficiles, et les actes de maasé qui viennent du cœur, c'est les plus difficiles aussi à maîtriser. Parce que les choses qu'on fait par les membres, etc., c'est assez facile par rapport aux actes du cœur. Ouais. Et ça, c'est le plus difficile. Donc, les maîtres ont toujours... Quand quelqu'un prétend être un maître, il faudrait qu'il ait accédé à l'accomplissement. Sinon, c'est un faux prophète, c'est un faux maître. Il existe, ça existe. Comme il y a des faux prophètes, il y aura des faux prophètes. On connaît Dajjal, le Dajjal qui viendra à la fin des temps, etc., prétendre même qu'il est Dieu, etc. Il y en a qui prétendent même qu'ils sont Dieu. Il y en a parmi les maîtres, nos maîtres, qui ont été assassinés par des Dajjalines comme ça, comme le maître de nos maîtres dans notre voie, la voie Shadili, Moulay Abd Salam ibn Mashish, il a été assassiné par quelqu'un qui était un hérétique. Il a prétendu être prophète, etc. Bon, il n'a pas fait long feu, mais comme Moulay Abd Salam, il était dans le Rif, dans son Jabal, tout seul, et donc en allant faire son ablution du matin, l'autre il l'a assassiné. Et lui, il savait qu'il allait être assassiné et accéder à la shahada. Voilà, je voulais passer à autre chose. Un autre hadith. Toujours avec Al-Madina, parce qu'il y a son transmetteur, c'est Shaddad ibn Aws, qui est parmi les Ansar. Alors, le prophète allait se réunir avec eux en leur disant « Hel fina gharib ?» Y a-t-il un étranger parmi vous ? Avec étranger, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas initiés. Ils disent « Non, ya Rasulallah, il n'y a pas d'étranger. » Alors, il leur dit « Fermez les portes. » Et levez les mains et dites la ilaha illallah. Farafana aidina, c'est-à-dire un moment, un temps donné, et on faisait ça. Donc il y a les soufis se réunissent avec un maître et ils disent la ilaha illallah. C'est tout. Et ils ferment les portes, ils disent la ilaha illallah. Ensuite, le prophète, il lui est arrivé de leur parler de certaines vérités, des connaissances. Au-delà de la raison, c'est-à-dire mawara al-uqul, c'est de ça qu'il s'agit dans le soufisme. Et ce hadith Helfina Gharib, il est transmis par des chaînes de transmission véridiques. Voilà. C'est des riwayat que vous êtes en train de... De vous dire pour dire la fondation du soufisme. C'est-à-dire, ça ne vient pas avec des innovations. Non, c'est une transmission et c'est une tradition du prophète. Et puis on rappelle aussi que l'objectif aussi de tout ce que vous êtes en train de nous dire depuis des semaines, depuis le début du mois de Ramadan, c'est de dire à toutes ces personnes qui ont une mauvaise image sur le soufisme, n'est-ce pas, que le soufisme est en rapport avec l'islam. Il faut dire qu'on est bombardé partout, des médias, des chaînes télévisées, des sites internet, etc. Et beaucoup d'insultes, beaucoup de mauvaises manières, c'est-à-dire c'est pas traité avec... Et puis même dans les sonneries téléphoniques, même chez nous, on diffuse cette déviation et à travers les sonneries téléphoniques. Au lieu que ça soit une sonnerie, ou là, je sais pas, une chanson pour l'équipe nationale, ce qui part, c'est pas un problème, c'est de chez nous.
Et il y a ceux qui psalmodient le Coran, mais ces personnes qui psalmodient le Coran, ils ont fait une fatwa pour tuer les Syriens, pour tuer les musulmans, hein, pour prendre les femmes musulmanes comme Sabiha. Et ils parlent de leurs référents religieux. Les référents religieux, c'est ces référents qui ont poussé et amené les gens à croire que l'Oumma est kafira, que nous sommes kuffar, parce qu'on n'est pas avec eux, parce qu'on n'a pas leur dogme. Ceux qui ne sont pas dans leur dogme, ils sont considérés comme kuffar, etc. Donc on est bombardé partout, et il faut qu'on se mette à défendre la vraie voie du prophète. S'il y a une religiosité sans sagesse et sans vérité interne et intime, ce n'est pas de la religion, c'est une façon de se gratifier l'ego. Oui. L'ego, c'est très très mauvais. C'est très très mauvais parce qu'on aura perdu la bataille du cœur, et là c'est... Et c'est le plus important. C'est le plus important. D'accord. Alors pour clore, monsieur Hadbi, parce qu'on n'a plus le temps. Deux riwayat. La riwayat qui dit Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, ou Ana madinatul ilm wa Ana madinatul hikmati wa aliyun babuha. Et cette riwayat, c'est des riwayats véridiques et c'est des riwayats sahiha. D'ailleurs, il y a deux traités. Un de Cheikh Sidi Mohamed Ben Sadiq al-Romar al-Idris al-Hassani, c'est un grand muhaddith du Maroc. Et l'autre de Cheikh Tahar Ben Yahya al-Ba'alawi al-Husseini, ça du Yémen. C'est une grande famille de ulama du Yémen qui s'est connue. Les deux ont consacré deux traités, les deux c'est des muhaddiths, c'est-à-dire des spécialistes du hadith concernant Hadhaja. Il y a un exégète qui s'appelle Ibn Ajib al-Hassani, il est également dans notre voie, dans la voie Shadili, qui parle justement, qui dit que Talqid, l'initiation, c'est une chaîne de transmission qui est transmise entre les Sadat, comme il dit, les Sadat, jusqu'à Maulana, l'imam Ali ibn Abi Talib, karamallahu wajah. Et justement, pourquoi cette parole du prophète, Madinatul Ilm, Madinatul Hikma? Au début, la première émission, j'ai apporté des livres du soufisme, des traités qui parlent de l'adab, c'est-à-dire de toutes les vertus qu'on doit acquérir. C'est à travers l'adab, après avoir accompli l'adab, et le fruit de ce adab, c'est la vision, c'est entendre et voir ce que on voit quand on a le cœur comme un miroir bien poli. Et puis il y a les connaissances. Il y a les connaissances infuses. On a parlé de Surat al-Kahf ou Sidna al-Khidr qui avait cette connaissance infuse par rapport à la rencontre avec Sidna Moussa, etc. Et cette connaissance infuse, elle vient, le premier pour lequel a été transmise cette connaissance, c'est Sidna Ali ibn Abi Talib, à travers la ilaha illallah, telle qu'est l'initiation du prophète. Mais cette chose, elle n'est pas spécifique à la famille du prophète. Vous voyez, comme Ali ibn Abi Talib, al-Hassan, Sidna al-Hassan, al-Hussein, les grandes personnalités de Ahl al-Bayt. Non, on peut accéder, tout le monde peut accéder, même si on n'a pas une ascendance prophétique ou la hajja, ou là qu'on n'est pas un imam, etc., dans le sens divin du terme, on peut accéder. Et ça, un autre hadith nous le prouve. Et c'est hadith Salman ou Minna Ahl al-Bayt. Et puis il y a une riwaya de l'imam Ali qui dit Daka Minna Ahl al-Bayt. Il a bu la science, il a bu la première science et la dernière science. Il a accédé au premier Coran et au dernier Coran, des choses dernières, et c'est un océan sans rivage, qui a dit Imam Ali pour Salman. Donc il y avait Salman al-Farisi, qui était un homme normal, etc., qui n'a pas d'ascendance noble, prophétique, etc., n'empêche qu'il a accédé à cette connaissance. Et il y a tous les Salman, d'une génération à génération, jusqu'à maintenant. C'est quand on arrive à l'accomplissement, à la tahara, parce que Dieu parle de Ahl al-Bayt, innama yuridullah liyudhiba ankum ar-rijsa ahl al-bayt wa yutahhirakum tatheera. Mais quand on devient min Ahl al-Bayt, qu'on n'est pas d'ascendance prophétique, mais on devient min Ahl al-Bayt,
quand on agit comme celle-même. Mmh. Il y en a plein de celle-même dans la vie de la Oumma jusqu'à maintenant. Et il faut savoir qu'il y a des gens qui accèdent à ça jusqu'à maintenant. Mmh. Voilà. Très bien. Ce sera tout donc pour aujourd'hui. Il y aura toujours des choses à dire. Ben vous reviendrez. Voilà, vous reviendrez. Maintenant, c'est bon, on s'est habitué à vous, monsieur Atbé. Donc, voilà, que vous dire? Je vous souhaite une belle fête de l'Aïd. Vous aussi, toutes vos voilà, si vous voulez dire quelque chose. Allah yatina, inshallah, la paix, inshallah, yatina, la sagesse, inshallah, Dieu protège notre pays, nous protège tous et protège tous les musulmans, tous les êtres humains. Inshallah. La paix sera sur terre un jour, inshallah. Ça nous fait du mal de voir les pays musulmans avec des camps brasés par la fitna, etc. Il y a un ater qui dit fitnatuna imala'anullahu min ayqadaha. Et on en a goûté il n'y a pas très longtemps. Il ne faudrait pas qu'on oublie. Charbi, istarna wa yahfadna. Merci, monsieur Hadley Saïd. À très très bientôt à vous ainsi qu'à toute votre famille. Merci, merci beaucoup. À bientôt. Allez, tout de suite, on revient sur.